Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Comme nous t'ai déjà annoncé dans la vidéo qui se passe, comment vous êtes capable de télécharger Ananiforce sur le website CBP One? Eh bien, vidéo ça, nous portons pour aujourd'hui pour que vous connaissiez comment vous êtes capable de download Ananiforce sur le website CBP One pour ne pas passer misé ici aux États-Unis pour vous capable de joindre 4 travail rapide parce que vous n'êtes pas capable de travailler sans lui ou pas capable de faire rien comme travail sans 4 travail aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que nous portons vidéo ça pour vous, pour montrer comment vous êtes capable de download Ananiforce le plus vite que possible depuis que vous entrer aux États-Unis depuis pied ou sous terre là ou libéré ou entrer aux États-Unis ou alors que tout a passé soit ou t'es pris avion ou t'es passé par moyen programme Biden là ou bien ou t'es passé sous frontière là ou traversé par moyen CBP ou non libre autorisation pour rentrer aux États-Unis ou gagner un Ananiforce ou mériter garder vidéo ça. En passant, comme nous toujours dit, si c'est pour la première fois que vous regardez une vidéo sur channel de Stimotivation RTVA ou pas gagner l'autre bagaille qu'on a fait pour supporter le travail ça, c'est quitter like, quitter commentaire, partager vidéo. Pas jamais oublier pour abonner à la chaîne là, activer la cloche notification, pas jamais rater aucune vidéo que nous allons publier dans le jour qui vient là pour toujours être informé par moyen toute information que nous avons sur le réseau à travers la plateforme de Stimotivation RTV. Donc, il est très important pour rester style connecté ensemble avec nous parce que l'information est très très utile. Venez regarder ensemble avec nous comment capable de download Ananiforce ou même qui fait rentrer aux États-Unis pour capable résoudre problème qu'à travailler ou pour capable résoudre problème du avec license ou et pour capable même arriver à la sociale sécurité ou dans le pays États-Unis. En aller, venez regarder ensemble avec nous, mais comment? Moi, aller sur Google, moi taper I94. That means Ananiforce. Depuis que vous tapez sur I94, vous cliquez sur le premier lien qui est Department of Homeland Security qui est DHS. Donc, qu'on y a là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une possibilité ça. Il affiche comme ça. Donc, là-dedans, vous pouvez joindre exactement les 4 possibilités. Vous pouvez afficher comme ça, vous pouvez aller descendre, vous pouvez descendre. Première possibilité, à do apply for new Ananiforce. Donc, ce n'est pas jamais ça que nous avons besoin. Deuxième possibilité, à do get most recent Ananiforce. Donc, c'est sur ça que nous pouvons cliquer, mais avant tout, il faut que nous fassions vivre toute responsabilité. Et troisième possibilité, à do your travel story. Donc, c'est pour que j'aime ça que nous avons besoin. Pas oublier que moi, je dis que nous avons cliqué sur deuxième qui c'est Get Most Recent Ananiforce. Donc, nous pouvons faire une quatrième possibilité qui n'est pas importante pour nous toujours parce que nous avons montré download Ananiforce sur le site officiel CBP One. Donc, c'est là que nous sommes capables de download. Donc, nous faisons une vidéo ça pour juste pour nous capables d'aider. Et quatrième possibilité qui do view comprehensive. Donc, on va cliquer sur Get Most Recent Ananiforce. Immédiatement, on clique sur lui, l'apparaît comme ça. L'affiché sur lui comme ça. Donc, on va descendre. On va dire que on accepte ensemble avec tout ça qui est très, très, très important. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre, on va aller descendre toujours pour capable jouer tout ça que vous voulez, ou capable lire. Donc, ça qui est important, là-bas, on consacre c'est Get Most Recent Ananiforce. Là, on peut que vous pouvez rentrer toute information ou qui concerne ou même qui a besoin d'Ananiforce. Pas oublier, il faut que vous êtes rentré, non pour entrer ou bien non à l'aéroport pour capable exactement joindre ce CBP qui pour enregistrer pour. C'est pas vous même qui pourra le créer. Là, on va rentrer nos clients là, nous dit que c'est Dieu bon. Yeah, et puis nous parlons dans le SNEM, je dis c'est venu voir exactement ce que je lis pour nous conseiller. Et puis là, je vais rentrer dans le Birthday ou même je vais rentrer par l'information que je rentre, je vais rentrer information qui correspond ensemble avec vous. Là, je vais rentrer dans le Birthday immédiatement que je rentre dans le Birthday. Et puis, quand on a là, il peut demander un numéro. En plus, des fois, numéro document, il est capable d'exactement soit numéro passeport mon nom ou bien numéro document, il est capable d'exactement. Et lien number. Donc, n'importe là-dedans, vous êtes capable de choisir ou mettre une adresse. Si vous faites pas marcher ensemble avec le numéro passeport, vous êtes capable d'essayer avec le lien number. Donc, n'importe là-dedans, vous mettez une adresse, vous êtes capable de marcher quand même. Donc, immédiatement que vous mettez l'app capable de baou normalement et Ananiforce. Donc, quand il y a là, ce qui est important, c'est qui pays qui baou et alors dans quel pays qu'on sorti. Donc, le pays qui est sorti, on a dit que c'est le pays d'Haïti. Donc là, on va chercher Haïti, ou bien on est capable de taper HA, il tape monté. On dit que c'est sorti Haïti. Ok. Il tape HA. Et on fait Next. Immédiatement, on fait Next. On suppose joindre exactement Ananiforce ou bien qui est plus récent, qui est enregistré sur le système CBP One. Donc, il faut qu'on tient à ce que toutes les informations sont correctes ou révisées. Et qu'on y a là, et voilà, les documents Most Recent Ananiforce Results. Donc, résultat Ananiforce plus récent que vous gagnez.
Mais exactement là, vous pouvez lever. Donc ça, c'est un ananifort, mes amis, qui expire déjà. Son ananifort qui finit, parce que le monde s'est rentré aux États-Unis depuis le 27 novembre 2022. Donc ananifort ça, c'était pour un an. Normalement, il finit après date d'expiration. Donc, class of admission, c'est DT. DT, c'est un format ananifort pour tout le monde qui apprend exactement sous frontière États-Unis par moyen Mexique. Donc cette vidéo ça n'était pas pour que nous t'es capable d'aider pour qu'on ait exactement qui ça qui gagne et comment capable download ananifort sur site officiel CBP One, sur site officiel DHS qui c'est Department Homeland Security. Donc nous pote vidéo ça pour nous connaît que la petite nous dit merci parce que tu as regardé vidéo ça et on continue. Alright. Là vous capable downloader. Vous êtes capable toujours downloader en PDF pour capable gagner. Donc dès qu'on finit downloader, qu'on est capable gagner, on peut sortir, imprimer, etc. Donc il y a une possibilité pour qu'on capable pointer document ça sans problème. Merci parce que vous avez regardé vidéo ça. Merci d'être que déjà quitté like pour là, quitté commentaire ou partager vidéo ça. Ou même un bail plus. Vous êtes branché, vous êtes connecté avec des Destin Motivation RTV. N'a pas croisé nos prochaines vidéos.